Super, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur l'horoscope 2023 concernant le signe des poissons. Donc j'ai parlé des trois décans. Alors les premiers décans sont les natifs nés du 19 février au 1er mars, donc en moyenne, hein, ça peut être un jour avant ou après selon les années. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 1er mars au 10 mars, et les troisièmes décans sont les natifs nés du 10 mars au 20 mars. Donc je rappelle que c'est un horoscope solaire, donc dit général, il ne remplace pas un horoscope personnalisé avec votre date, heure et lieu de naissance, qui sera beaucoup plus précis, donc beaucoup plus exact, on va dire, concernant votre thème, hein, parce que chaque personne est différente, même s'il peut y avoir des petites similitudes sur certaines choses, mais voilà, chaque thème est différent, donc c'est bien d'avoir un thème personnalisé. Donc j'ai commencé par les natifs premier décan, donc des signes des poissons qui sont nés entre le 19 février et le 1er mars. Donc vous aurez votre soleil conjoint à Saturne en poisson à partir du 7 mars 2023. Donc Saturne va rentrer en poisson le 7 mars et donc va former ce qu'on appelle une conjonction. Il va être sur le soleil, sur votre soleil. Alors c'est une conjonction qui peut être plus ou moins bonne, hein, selon forcément des aspects qui peuvent se faire dans le thème. Hein. S'il y a des bons aspects, c'est une bonne conjonction, on dira que vous pourrez avoir beaucoup plus de structuration, d'être plus sérieux dans ce que vous voulez faire. Vous aurez un sentiment de vouloir construire certaines choses. Il peut y avoir une relation avec, par exemple, les hommes, vous-même, le père, le mari, une figure d'autorité où il y a quelque chose de plus concret, sérieux. On peut établir des choses constructives, en fait. Avec Saturne, c'est la construction, tout ce qui dure dans le temps. Alors en poisson, dans votre signe, bah, ça peut être par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, des rêves, des idéaux. Bon, après, c'est assez général. Il faudrait les maisons de votre thème, hein, pour savoir dans quel domaine ça peut éventuellement avoir lieu. Donc si c'est en maison 5, ça peut être au niveau affectif, avec les enfants, dans l'amour. En maison 7, dans le couple, les relations, les collaborations, des contrats qui peuvent être signés, ou ça peut être important, par exemple, qui peuvent vous engager sur la durée, etc. La profession avec Saturne aussi en maison 10 éventuellement, donc peut-être un travail qui vous tient à cœur, qui est important, où vous avez quelque chose de concret et durable à faire, un engagement dans ces domaines, une signature de contrat, pourquoi pas. Donc voilà, pour les bons aspects. En mauvais aspect, si cette conjonction est plutôt mal inspectée, malheureusement, vous pouvez quand même avoir éventuellement des blocages, des restrictions. Donc attention, ça peut être une période dès le mois de mars où il peut y avoir beaucoup de restrictions, des pénuries, des choses qui vous bloquent. Ça vous assombrit un peu, vous pouvez être frustré, un peu orgueilleux, même un peu arriviste aussi. On peut se sentir un peu un peu sur la défense, être méfiant, assez taciturne, froid. Donc voilà, après, bon, faut relativiser selon les aspects, mais voilà, c'est un mauvais aspect, ça peut créer des blocages, genre avec les hommes aussi, en amour éventuellement, avec le père, il peut y avoir des épreuves là, même karmiques, donc à voir. Ça reste malheureusement général, je peux pas détailler plus. Alors ensuite, en revanche, vous aurez un bon sextile à Jupiter en taureau du 17 mai au 5 juillet et du 17 novembre au 31 décembre, car la planète va avancer, va faire ce qu'on appelle après un effet de rétrogradation, donc elle va revenir en arrière et former à nouveau cet aspect de sextile. Donc c'est plutôt un bon aspect là, un bon aspect donc à votre soleil qui vous permet la croissance, soit matérielle, financière, vous pouvez être plus épanoui, vous sentir bien, hein. Jupiter c'est aussi votre seconde planète maîtresse. Donc en taureau, comme ça, il peut y avoir des choses, des opportunités peut-être dans ces domaines-là. Ça peut être au niveau affectif, au niveau physique, tout ce qui est avec les plaisirs de la vie. Vous vous sentez beaucoup plus dans vos baskets, à l'aise, enthousiasme, positif. Vous allez de l'avant, vous êtes plus enjoué, jovial. Donc c'est une bonne période là, peut-être pour établir certaines choses, peut-être, alors selon votre thème, encore une fois. Ensuite, vous avez les aspects à Mars. Alors, on va revenir au début janvier. Donc, vous aurez dès le début d'année aussi un carré de Mars en Gémeaux à votre Soleil. Donc, du 1er janvier au 31 janvier. Donc, on va dire que vous commencez quand même l'année avec un peu de tension. Tension, agressivité, attention à vos paroles ou ce qu'on peut vous dire. Vous pouvez être plus irritable. Alors, attention aux disputes, aux conflits, dans la communication, les échanges. Maîtriser vos paroles, vos mots, peut-être que vous voudrez mettre en pratique certaines choses, mais vous ne pourrez pas toujours, avec votre volonté, ça peut créer des conflits, des conflits d'ego, de discussions, des débats assez peut-être passionnés, donc ménagez vos efforts, votre énergie, soyez pas trop rentre-dedans ou trop agressif.
on veut peut-être trop imposer certaines choses, des idées, donc ça n'a pas forcément bien passé. Alors, bon, voilà, après, il faut voir. Hein. Attention au déplacement aussi, ça peut créer, dans le pire des cas, des accros, des accidents. Voilà, donc on peut être un peu affairé à droite, à gauche, avoir plein d'énergie, un peu en dispersion, là, un peu être dispersé à ce moment-là. En revanche, après, vous aurez un beau trigone à Mars en Cancer du 26 mars au 14 avril. Donc là, en revanche, une très bonne énergie au niveau émotionnel, peut-être dans le domaine de la famille, on peut arriver à agir, à mettre en place certaines choses. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, selon votre thème, mais voilà, il y a beaucoup d'énergie positive à mettre en place, forte énergie au niveau de votre ressenti émotionnel. Donc faites jouer votre ressenti, hein, Poisson Cancer, c'est signe d'eau. Donc là, ça va vraiment vous aider à ce niveau-là. Ça peut aider sur un plan aussi, un rapport avec les hommes aussi, pourquoi pas au niveau physique, hein, ou affectif. Donc ensuite, vous aurez un quinconce de votre Soleil à Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Donc là, en revanche, une petite légère tension là qui peut avoir lieu. Donc peut-être pour imposer certaines choses, certaines idées. Si vous voulez agir avec, peut-être vous mettre plus en avant avec le cœur, peut-être avoir plus de dynamisme dans vos actions, ça peut parfois être un peu compliqué. Il y a peut-être des choses à résoudre, des petits problèmes à résoudre, mais c'est pas méchant. Donc c'est une petite période un peu de réajustement, on va dire. Donc voilà, attention quand même à ne pas être trop sur les nerfs, ne pas être trop en tension, mais ça devrait aller si vous faites attention. Soleil quinconce Lune noire en Lion en fin du 9 janvier au 8 avril, donc les 4 premiers mois de l'année, va aussi vous donner une petite zone d'ombre sur votre ego, alors peut-être voilà, des petites choses à revoir par rapport à vos valeurs, votre image. Ça peut être le côté affectif, hein. Il peut y avoir un manque à ce niveau-là, au niveau affectif, peut-être une relation à votre créativité, avec les enfants, à l'amour, enfin tous ces domaines-là en Lion. Donc peut-être des choses à revoir pour combler un certain manque. Alors ça peut être sublimé par une créativité, encore une fois, par certaines choses qui peuvent vous aider. Mais on va dire, voilà, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais, hein. Après, la conjonction à Saturne, il faut voir les aspects, mais c'est en demi-teinte, on va dire, c'est plutôt bon, à part ce carré de Mars en Gémeaux, on va dire, surtout le début d'année, là, faites attention, et puis voilà, donc après, ça devrait plutôt aller. Donc ensuite, les natifs du deuxième décan, donc vous aurez plutôt une année positive, on va dire, de manière générale. Donc un très beau sextile à Uranus en Taureau toute l'année déjà. Alors vous l'avez déjà cette année, hein. On va dire que ça continue, c'est une continuité. Donc très bonne énergie dans tout ce qui est original, sortir un peu des sentiers battus, voilà, être un peu anticonformiste parfois, ou sortir un sentiment de plus d'indépendance, de liberté, bien, bien vécu. Donc vous pouvez avoir des choses nouvelles qui vous tombent dessus, il faudra vous adapter. Donc on peut se comporter un peu de manière un peu soit originale, excentrique dans le pire des cas, mais c'est plutôt bien vécu, donc un bon sentiment de liberté, vous serez à l'aise dans vos agissements, vous ferez un peu ce que vous voudrez, vous serez un peu peut-être parfois en marge de la norme, pas faire comme tout le monde, peut-être changer un peu vos habitudes. Donc il peut y avoir des bonnes opportunités là qui s'ouvrent à vous encore cette année pour vous ouvrir sur de nouveaux horizons, de nouvelles choses, nouveaux projets, des nouveaux concepts. Donc ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être voir dans quelle maison ça tombe, forcément dans votre thème, mais ça peut être vraiment des bonnes choses qui vont vous impacter de manière positive, on va dire, tout au long de l'année encore. Donc beaucoup d'indépendance, de liberté, voilà, vous allez sentir beaucoup plus libre d'une manière générale. Ensuite, le sextile à Jupiter en Taureau du 6 juillet au 7 novembre. Donc, on va dire le deuxième semestre 2023, là, ça va vous booster aussi, hein, encore une fois, en même temps que vous avez ce sentiment de renouveau, un peu de liberté, vous pouvez vous sentir vraiment épanoui, expansif, avoir des opportunités, des réussites, des honneurs, être intégré dans certaines choses, de l'expansion, être enthousiaste. Donc vous aurez à cœur de faire beaucoup de choses qui vous plairont. Donc ça peut être au niveau matériel, par exemple, il peut y avoir une croissance, une avancée à ce niveau-là, matériel, financière. Ça peut être après dans d'autres domaines, hein, de vie, selon votre thème, mais en tout cas, voilà, beaucoup d'épanouissement, de joie, voilà, avec Jupiter, le grand bénéfique, votre seconde planète du Poisson, c'est vrai que c'est très positif pour vous. Donc profitez-en pendant ce deuxième semestre, en tout cas par rapport à cet aspect, hein, s'il n'y a pas d'autre aspect forcément qui contredit dans votre thème, mais en tout cas, par rapport à cet aspect, c'est plutôt vraiment positif, hein. Donc même avec les hommes en général, ou une figure paternelle ou masculine, ça peut aussi
aussi être positif, hein. Il peut y avoir des bonnes relations, des choses comme ça qui se forment. Alors, par rapport aux aspects à Mars maintenant, alors Mars c'est l'action, l'énergie. Vous aurez un quinconce de Mars en Gémeaux du 31 janvier au 4 mars, donc là il peut y avoir une légère petite dichotomie, avoir arrivé à agir de manière concrète, hein, par rapport à vos idées, mais ce ne sera pas toujours facile à intégrer, à mettre en place concrètement, donc ça peut créer des légères tensions. Alors c'est pas méchant, c'est voilà, c'est des petites tensions, des petits agacements, des petites choses à réajuster, et puis y avoir être un peu à droite à gauche, avoir un peu trop d'idées, être un peu trop dispersé. Donc il faut peut-être revoir un peu certaines choses. On peut imposer un peu ses idées, mais voilà, c'est pas toujours bien compris. Donc ça peut créer un peu des malentendus parfois ou une légère tension, mais c'est pas méchant. Ensuite, le trigone à Mars en Cancer du 15 avril au 3 mai, bah là, il est plutôt positif, encore une fois. Donc bonne énergie pour agir. Alors par rapport à ce que vous ressentez, hein, au niveau émotionnel, ça peut tomber aussi dans le domaine familial, une action pour la famille, les foyers. Donc bonne énergie pour travailler dans la maison, faire plein de choses, agir pour la famille. Donc là, il peut y avoir des questions à ce niveau-là, mais pas que, hein, ça peut tomber aussi dans d'autres maisons de votre thème. Donc ça peut très bien aussi être dans le domaine professionnel ou autre. Selon votre thème, en tout cas, très bonne énergie pour agir et faire ce qui vous, comment vous le ressentez, avec votre bonne intuition que vous avez généralement, un grand ressenti à ce moment-là qui pourra vous aider dans vos actions à établir. Vous serez assez intuitif et agissez vraiment avec ça. Ensuite, le quinconce à Mars en Lion du 7 juin au 24 juin, en revanche, peut créer une légère tension, une légère dichotomie dans les actions, la volonté par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc attention, ne pas agir avec trop d'impétuosité, de verve, d'être trop imposant, de trop vouloir voilà, imposer certaines choses. Ça peut parfois vous être mal perçu, être un peu en désaccord, donc ça peut créer des tensions. Donc attention à certains conflits d'ego, notamment avec des hommes, des gens assez léonins ou qui sont solaires, hein, qui veulent peut-être avoir une volonté un peu trop forte. Donc ça peut créer des fois des petites, pareil, malentendus, tensions, mais ce n'est pas très important, très grave. Ensuite, enfin, donc le quinconce de votre soleil avec la lune noire en Lion, hein, du 8 avril au 7 juillet. Donc là, encore une fois, comme pour les premiers décans, ça peut vous donner un peu une petite zone d'ombre au niveau de votre ego, au niveau de certaines valeurs, une certaine image, une certaine reconnaissance aussi. En Lion, hein, que peut-être qu'il y a une zone d'ombre karmique par rapport à ça. Ça peut être au niveau affectif, un manque affectif à ce niveau-là, une période un peu de doute, un peu de voilà, on est un peu assombri là. Donc peut-être son image, ses valeurs, sa créativité, son rapport aux enfants ou à l'enfant peut parfois être un peu voilà délicat, mais c'est pas trop grave. Hein. C'est pareil, c'est un quinconce, donc c'est un aspect mineur. Donc vous inquiétez pas, voilà, c'est assez passager, c'est mineur. C'est à vous de voir un peu qu'est-ce qui sera réajusté dans votre vie personnelle en fait. Voilà pour les seconds décans. Donc plutôt une très bonne année, je dirais, de manière générale. Et donc enfin les datifs troisième décan. Donc vous aurez plutôt aussi une bonne année, je dirais. Alors un beau sextile à Pluton en Capricorne, donc les 3 premiers mois de l'année, hein, le premier trimestre, du 1er janvier au 22 mars. Donc votre soleil forme un sextile à Pluton en Capricorne, donc très très bon pour des remises en question, peaufiner terminer des projets, des changements qui sont encore en cours, peut-être une phase où vous commencez à terminer un grand cycle, où vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie. Alors normalement de manière plutôt positive, après il faut voir selon votre thème, mais voilà, ça peut voilà, il peut y avoir des nouvelles orientations de vie, pourquoi pas un nouveau travail, on se remet dans nouveaux schémas, donc peut-être des choses à terminer par rapport à ça, des projets. Ça peut être un rapport avec l'homme, les hommes, votre rapport à vous-même. Vous avez changé dans votre façon de voir les choses. Voilà, il y a eu un travail en profondeur qui a dû être fait, peut-être déjà auparavant, et ça se termine. Et ça va être encore le cas donc pendant cette période. Alors ça va revenir une dernière fois en 2024, hein, parce que il y aura un dernier aspect de votre soleil à votre Pluton. Voilà, sur tous les derniers degrés du signe, hein, on va dire. Mais voilà, c'est de manière positive encore au niveau de votre ego. Voilà, c'est plutôt positif. Donc ça peut être aussi dans le domaine affectif, bien sûr, dans plein de domaines selon votre thème.
Alors ensuite, vous avez votre Soleil qui est conjoint à Neptune en Poissons toute l'année aussi. Alors ça, c'est pareil, une conjonction qui peut être plus ou moins bonne selon les aspects. Alors un bon aspect, ça peut vraiment vous donner beaucoup d'intuition, hein. Neptune, c'est votre planète chez vous en Poissons. Donc là, ça donne toute sa puissance, on va dire. Vous êtes vraiment intuitif. Il y a du rêve, de la compassion, beaucoup de. Vous arrivez à trouver être sur la même longueur d'onde, dans ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, par exemple. Vous êtes vraiment en phase. Ça peut être, dans le meilleur des cas, développer des dons médiumniques, pourquoi pas, des capacités. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup de capacités à développer, donc peut-être aussi au niveau artistique, pourquoi pas. Ça peut être une relation aux hommes, aux pères qui est beaucoup plus. Qui peut être meilleure, qui peut être beaucoup plus compassionnelle, idéale. Bon, alors ça, c'est général, hein, c'est plutôt le bon aspect. Si malheureusement vous vivez une conjonction qui est plutôt mal inspectée dans votre thème, vous risquez d'avoir des déceptions. Donc attention, parce que ça peut être à double tranchant. Donc faut pas minorer l'aspect, hein, selon aussi les transits qui peuvent arriver à ce moment-là. Ça peut être des déceptions, des désillusions en amour avec l'homme, avec vos aspirations, dans ce que vous croyez être le cas. Donc attention, parce que vous êtes un signe assez rêveur de manière générale. Donc parfois, bien avoir les pieds sur terre, ne pas être trop une éponge aussi. Vous pouvez être trop dans l'aide désintéressée, ce qui peut parfois vous jouer des tours. Mais voilà, même si c'est des grandes qualités de cœur et qui est très positif d'une manière générale et très salvateur, c'est vrai qu'il faut quand même des fois faire attention de ne pas trop se faire avoir. Alors faites jouer votre ressenti quand même, malgré tout, mais voilà, sachez, voilà, pas. Savoir discerner les choses, ça peut vous aider à ce moment-là, s'il y a des mauvais aspects dans votre thème durant cette année. Donc voilà, soyez attentif à tout ça, ça devrait bien se passer. Ensuite, vous avez un beau sextile à Uranus en taureau du 29 mai au 10 décembre. Donc là, encore une fois, très bon aspect au niveau, là, plus au niveau de votre indépendance, vos conceptions de la liberté, votre conception de. Votre originalité, de sortir un peu des sentiers battus. On peut être beaucoup plus libre qu'auparavant, un peu plus différent, être un peu plus original, sortir de sa zone de confort, saisir les innovations, les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Donc n'hésitez pas, cette période-là, encore une fois, ça peut vraiment vous aider. Ça peut être aussi une bonne relation, un peu avec les hommes, ça peut être une belle amitié, pourquoi pas, des unions libres, voilà, des choses, des rapports avec le père, une figure d'autorité, par exemple, qui peut être bien vécue, hein, on est beaucoup plus dans l'écoute, la compréhension, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment positif, hein. Ensuite, en revanche, alors, les aspects à Mars, donc vous allez avoir un carré de Mars en Gémeaux, forcément du 4 mars au 25 mars, donc un mois de mars un peu tendu, on va dire. Donc attention aux réactions, attention à l'agressivité. Vous pouvez vouloir peut-être imposer trop vos idées de manière belliqueuse, intensive, un peu sur les dents, sur les nerfs. Donc ça peut créer des disputes, hein, ça peut créer des polémiques, beaucoup d'échanges assez vivaces. Donc on peut s'énerver pour telle ou telle chose, hein. Alors ça peut être pour une question de relation de voisinage en Gémeaux, hein, pourquoi pas, hein. Moi j'ai le cas aussi chez moi d'ailleurs. Ça peut être, même si je suis pas poisson, mais voilà, ça peut être le cas. Il peut y avoir voilà, des tensions, on peut être à droite à gauche, avoir beaucoup de comment dire, d'être un peu trop dispersé, de vouloir mettre en pratique certains de nos idées, mais c'est pas toujours facile et on peut avoir des résistances. Donc attention aux relations avec les hommes de manière générale. Ça peut être un patron, un collègue ou autre, mais voilà, il peut y avoir des tensions à ce niveau-là. Alors ensuite, vous aurez quand même un beau trigone à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai, donc un mois de mai plutôt positif cette fois, avec une bonne énergie pour agir de manière émotionnelle avec votre avec compassion, avec comment dire, intuition surtout. Donc faites jouer votre intuition, votre ressenti, ça va vraiment vous aider pendant cette période. Hein, ça peut être une bonne relation avec l'homme, le mari, le père, voilà, que sais-je. Donc faites jouer votre intuition, ça va vous aider, même dans le niveau familial, hein, cancer. Donc au foyer, vous pouvez avoir une bonne énergie pour agir dans tel ou tel domaine, dans la famille. Donc voilà, ça peut être dans d'autres domaines selon votre thème, mais très positif. Ensuite, vous avez le quinconce de Mars en Lion du 24
4 juin au 10 juillet, donc là, attention, ça peut donner une petite, enfin, légère tension, encore une fois. On peut imposer ses idées, agir avec le cœur, avec volonté, avec un peu trop de verve, d'impétuosité, donc ça peut être mal perçu, ça peut créer des petites tensions, des conflits d'ego. Donc, si vous voulez peut-être mettre plus en avant, peut-être plus briller là pendant cette période de, on va dire, estivale, hein, ça sera les vacances, peut-être, attention de ne pas être trop, voilà. Trop confiant, enfin trop, comment dire, trop brillant, trop imposant, voire tyrannique, mais ça c'est dans le pire des cas, là c'est pas trop, le mot est un peu fort, mais en tout cas ne pas trop, voilà, imposer trop ses idées, ça peut être mal parfois, un peu créer des désaccords, bon c'est pas méchant, vous inquiétez pas. Ensuite, le trigone à la lune noire en cancer, du 1er janvier au 8 janvier, donc première semaine où vous aurez, après les fêtes, là, comment dire, une bonne intuition, vous pouvez vous revenir au niveau familial, vous retrouver avec vos proches, être peut-être avoir là un manque sur le plan nostalgique, émotionnel. Donc il peut y avoir quelque chose, une période où vous avez besoin de vous sentir peut-être près des vôtres. Donc peut-être qu'au niveau familial, il peut y avoir une certaine nostalgie, mais plutôt bien vécue, avec des bons moments qu'on peut se remémorer par rapport au passé, par rapport à tout un vécu, hein, qui peut vraiment vous combler, vous ramener des émotions à la surface, qui est nostalgique. Ça peut vous aider aussi sur le plan, on va dire, émotionnel, pour peut-être aider voilà, par rapport à telle ou telle méthode. Hein, ça peut être au niveau spirituel aussi, ça peut parfois aider. Donc voilà, une relation avec l'homme, aussi avec l'amour, qui peut aussi être comblée. On peut avoir des choses positives qui nous arrivent à ce moment-là. Et enfin, le quinconce de votre soleil à la lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet, là en revanche, ça peut malheureusement créer un petit légère phase un peu d'assombrissement, on va dire, de l'ego. Peut-être un peu, voilà, en quête de recherche de soi-même, d'être un peu dans une période un peu de doute au niveau peut-être affectif, ou rechercher un peu ses valeurs, son image de marque qui a besoin de peut-être être plus en avant, d'avoir une reconnaissance un peu plus qu'à l'habitude. Peut-être que là, il peut y avoir des choses à revoir, des petits réajustements aussi au niveau créatif, la relation avec les enfants, l'amour. Donc peut-être des petites choses à revoir, mais voilà, c'est pas méchant, c'est des petites choses à revoir qui peuvent être sublimées aussi par rapport à un manque à ce niveau-là. Et alors votre créativité peut aider à ce niveau-là, donc à voir. Donc voilà, bah écoutez, plutôt, on va dire, bonne année, hein. Alors après, il faut voir forcément les aspects dans votre thème natal, hein, surtout avec la conjonction et Neptune, là. Mais je dirais une bonne année aussi pour vous, hein, de manière générale. Donc profitez-en. Alors voilà, j'ai terminé pour ces horoscopes, hein. Donc en tout cas, si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez, hein. Tout est en description à la fin de la vidéo et sous la vidéo si vous connaître par exemple votre horoscope pour 2023 de manière plus précise. Voilà, et puis bah, quant à moi, je vous souhaite bonne journée, bon courage, bonne continuation, puis on se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.